Bon, c'est vrai, là, ça fait trois fois que je fais la course. J'ai fait troisième en 2003, deuxième en 2005, et depuis une semaine, tout le monde me dit pareil. C'est ton année, c'est ta course et tout. Mais je pense que c'est une course où il y a une transat avec 90 bateaux. Et vous avez vu, là, sur les pontons, il y a des super bateaux. Il y a des très bons marins. Les gens, ils sont très, très préparés. Il n'y a plus personne qui bricole sur les bateaux depuis 2-3 jours. Je pense que c'est la transat la plus ouverte de toutes. Et moi-même, je vois difficile le podium de faire un pronostic là. Et je préfère penser à m'amuser et on verra bien Bahia le classement. Hein. Pues sí, la verdad es que llevo unos días aquí una semana y todo el mundo me dice lo mismo. Claro, yo hice tercero en 2003, segundo en el 2005 y todo el mundo dice, bueno, este es tu año y esto. No lo sé, yo lo que sé es que salimos 90 barcos, que es una Transat con 90 barcos, que eso se dice rápido. Y que bueno, hay muchos candidatos, la gente está, hay muy buenos barcos, muy buenos marinos y la gente está muy preparada. Llevamos en los últimos 3 días nadie ha hecho nada en el barco de bricolaje, los barcos están a puntos y yo creo que se va a ver una Transat con muchísima pelea, va a haber mucha pelea adelante y ya veremos el podio en Bahía, a ver cuál es. Sí, ahora fa una semana, desde la última semana, tothom diu això, vaig fer tercer al 2003, segon al 2005. I tothom diu que aquest any és la meva, no? Jo dic que això ja ho veurem a Bahia, no? La veritat és que aquest any sortim 90 barcos, hi ha barcos molt ben preparats, amb grans regatistes, i jo crec que serà una Transat molt, molt disputada, i la classificació jo crec que la veurem a Bahia. Je viens à chaque fois, t'es jamais là. Bah ouais, mais elle va te les qu'est-ce que tu veux? C'est ah ouais. Ça, les stars, c'est ça. Hein. Ah donc? Ouais, ça va. Il a chantier. Il a chantier. Ah, il y a un hangar. Et il s'installe, ça fait. On a commencé à. Et toutes les finitions, c'est Nacho qui a fait dans le garage de mes grands-parents. Et aussi après, au Porto, dans la pluie, j'ai fait changer les dés. Je garde les étoiles. Ça fait partie de mes favoris, ouais. Voilà. Mais il n'est pas tout seul. C'est normal. Mais ça sera bien qu'il gagne. Ça fait longtemps qu'on se connaît et tout. Ouais. Il mérite. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai fait la course en 2003 avec le bateau de Lionel, le bateau qu'il a construit. Et pour moi, j'ai eu beaucoup de chance de naviguer sur ce bateau. Et c'est là que j'ai appris, c'était ma première transat, c'est là que j'ai appris un peu le large. Donc, ça me fait plaisir qu'il dise ça de moi. C'est sympa. Bah, il y a une grosse partie de la flotte qui est beaucoup plus prête que dans le temps, ça c'est sûr. Hein. À ce niveau-là, ça a changé, mais dans l'ensemble, l'esprit ministre est quand même resté le même. C'est quand même nous qui préparons nos bateaux, on bosse beaucoup dessus. Ça, c'est comme avant, quoi. Je me suis inscrit dans cette course-là clairement pour la gagner. Hein. Il faut afficher ses ambitions. Ça m'embête un peu de le dire, mais je suis là en souhaitant fortement la gagner. Et effectivement, je ne suis pas tout seul à avoir la même idée. Il y a un peu comme d'hab, il y a entre 12 et 15 bateaux susceptibles de gagner la Transat. Je suis très content, j'ai tout fait pour et puis je vais rien lâcher jusqu'au bout. De toute façon, je pense que tout le monde a bien compris que je suis pas du style à lâcher le morceau et je lâcherai rien jusqu'à Salvador. Les Proto 650 sont des voiliers assez complexes. Donc, gérer un projet sportif en mini transat, c'est déjà appréhender toutes les problématiques qu'on aura sur de plus gros bateaux, avec de plus gros budgets, etc. Donc, en fait, on retrouve là exactement les mêmes problématiques sur un 60 pieds open pour le Vendée Globe, par exemple. Donc, voilà, donc c'est un très très bon apprentissage. Déjà, c'est vrai que c'est des petits bateaux. Le confort, il n'y en a pas, très peu. On se fait mal et c'est vrai que pour être devant, c'est aussi pas beaucoup dormir. Donc, très peu de repos, pas toujours évident de bien manger. Et puis bon, ça dépend aussi des conditions. Hein. Il y a 2 ans, on a vu des belles conditions. Là, pour la première étape, ça se présente pas trop trop mal avec, je pense, des belles glissades là, long du Portugal. Donc ça va être cool. Moi, j'aime bien. C'est plutôt mes conditions, donc, je suis plutôt content. Ouais.
Oui, d'être au départ aujourd'hui, c'est l'aboutissement de 2 ans de préparation, donc vraiment beaucoup de temps sur l'eau, beaucoup de logistique, parce qu'en fait, moi je viens de Suisse, donc pour venir naviguer, c'est toujours plus compliqué, comme on va dire. Donc d'être là déjà aujourd'hui, c'est super. Et je prends un dictaphone avec moi et puis comme ça, ça me permet un peu de pouvoir m'exprimer puis faire passer les émotions parce qu'on a, on passe par des hauts et des bas qui sont quand même assez importants et puis c'est un côté un peu frustrant, c'est qu'on peut partager avec personne cette émotion. Et puis on a envie de pouvoir partager les bons moments, les mauvais avec les proches, la famille. Et je pense que le dictaphone, c'est un bon truc, ça permet au moins que ça sorte. Quoi. Oui, ça c'est sûr que je ne suis absolument pas professionnelle. Je pense que je suis vraiment pas la meilleure au niveau régate, tactique, météo, réglage des voiles, etc. Mais bon, c'est aussi ce qui fait l'attrait de cette course, c'est que c'est encore la seule accessible aux amateurs. Ça nous permet de réaliser un rêve. Qu'on a tous, je pense, tous les marins ont le rêve de traverser un jour l'Atlantique en solitaire. Et la Transat 650 se permet aux amateurs de le faire dans des conditions assez exceptionnelles. Salut Antoine ! Et Raoul ? Ouais. C'est réglé ? Ah ben oui, 77, 2007, 30 ans que cette course existe. Plus de 750 marins ont traversé l'Atlantique grâce à cette épreuve. Je crois que c'est quand même un beau phénomène dans le monde de la course au large. Et là, on a 18 nationalités différentes, des populations très 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 variées, du régatier à l'ingénieur, au médecin. C'est ça qui est la particularité de cette course. À mon époque, comme on dit, là, on ne marchait pas sur les pontons, quoi, hein. Tout le monde était en train de bricoler, la caisse à outils et tout. Quoi. Ah ouais. Donc on sent que ça évolue, quoi, tout ça. Quoi. Moi, je trouve ça génial. C'est sûr que c'est vachement bien de voir les étrangers venir. Si après, on pouvait les voir continuer à venir faire des courses chez nous, ça serait encore mieux. Mais ce qui fait la spécificité de cette Mini, c'est qu'elle attire plein de gens, quoi. Plein de gens de tous les niveaux, de tous les moyens et de tous les horizons. Ben oui, une sacrée émotion parce que la différence entre la petite bande d'aventuriers qui partaient sur des bateaux un peu construits dans des backyards et puis on ne savait vraiment pas ce qui nous attendait. Et puis aujourd'hui, une flotte aussi nombreuse, aussi bien préparée, aussi technologique, j'ai un petit peu l'impression en 30 ans, finalement, on est un peu passé de l'avion de Blériot au Mirage 3. c'est un petit peu l'impression que ça donne.
Semaine du départ, j'étais pas sûr de partir. Je la gagne. Elle est trop belle, l'histoire. Elle est trop belle. C'est énorme. Gagner la 3650, c'est énorme. C'est un rêve de gosse, un rêve que j'aurais jamais imaginé possible et que voilà, c'est, aujourd'hui c'est fait, ça s'est fait. C'est énorme, énorme. Faut rester devant, faut être devant parce que c'est important de mettre la pression aux autres et d'aller vite tout le temps. Et puis de la merde quoi, gagner l'étape et gagner la mini, moi ça me va. C'est le meilleur moyen, c'est le truc le plus simple. Donc voilà, je suis en tête depuis même avant les Canaries, j'étais en tête, à part une journée où il y a Adrien qui est passé juste devant le passage là. Et faut rester en tête, faut envoyer. Mais j'avais peur de péter tout le temps. Ouais. C'est quand même 2 ans que toute mon énergie est mobilisée sur là, ici, là, arriver. Et si possible, avec la victoire. Enfin, en tout cas, c'est le truc que j'avais mis en place pour que ça le fasse comme ça, ça le fait comme sur le plan. Enfin, qu'est-ce que tu veux demander de plus? Ça veut dire qu'il n'y a pas de surprise là. Je pense qu'il avait 15 000 d'avance dans le poteau noir, parce que ça tamponne dans le poteau noir, mais 15 000 à la sortie, ça veut dire tout de suite 40-50, hein, parce qu'il y a vraiment une prime au premier qui sort. Dans l'état actuel des choses, de toute façon, sans Jenaker, c'était impossible, et je pense que même avec le Jenaker, ça aurait été très compliqué. La dernière fois, c'était 3e en bateau de série. L'objectif, c'était de faire mieux en proto. Donc, objectif minimum, on va dire, mais non, c'était quand même un objectif qui était très ambitieux, je pense. Donc, Et puis après, moi, je referai de la course large, ça c'est sûr, mais on va faire un petit break. Merci. Bravo mon gars. Toi, ça l'a fait, hein. C'est cool. T'es malade. T'es vraiment trop fort. Merci. Trop fort, Adrien. Merci les gars. C'est sympa. Ça, t'es vu, bravo. Là, j'étais pas loin. Hein. Bah, si, j'ai dématé à 6h30, à 12h30, le mât, il était debout. Ouh. Ah ouh. Eh oh. On peut être tranquille 2 minutes. Pas la vôtre. Alors celle-là, dans tous les troquets du monde, elle aura jamais cette saveur, hein, je suis sûr. Hey, can you come in? Thank you.
garder une main, c'est au cool sinon. En fait, on s'est pas lâché. On se lave un peu. Elle est bonne. Allez, toi, elle est superbe. Comme j'ai rêvé d'être là.